producteurs, acheteurs et autres intervenants dans la filière cacao. Le prix Bord Champ pour la campagne principale 2013-2014 est fixé à 750 francs CFA avec en plus des exigences. Aucune réfaction n'est autorisée sur le prix d'achat garanti de 750 francs CFA par kilo. Le dispositif de contrôle des prix et de la qualité sera maintenu et renforcé par des procédures de commercialisation intérieure, notamment l'instauration de dispositions pour établir la situation des ventes et des achats entre les opérateurs intérieurs. La limitation du prix d'achat à l'entrée des usines de conditionnement à plus 15 francs CFA par kilogramme au-dessus du niveau admis du barème qui est de 830 francs CFA par kilogramme. Les producteurs, la principale cible de la réforme, saluent cette majoration. Je voudrais dire une fois de plus merci au chef de l'État parce qu'aujourd'hui nous sommes satisfaits. De 725, nous allions à 750. C'est déjà quelque chose. Avec 850 planteurs, nous commercialisons plus de 2500 tonnes. Avec tous les efforts que le Conseil Café Cacao a déjà fait au niveau du travail des enfants, les écoles et les bancs, je pense que les 750, c'est bon. Nous pensons que l'année prochaine, ça va encore augmenter. Nous sommes à 725, 750. Peut-être que l'année prochaine, on va arriver à 800 et puis au fur et à mesure. En deux de la réforme ici, comme pour la campagne précédente, l'État a consenti un sacrifice de 40 milliards contre 62 milliards précédemment pour respecter la proportion de 60% du prix CAF, coût assurance fret, le prix à l'international. En retour, l'État exhorte les producteurs à poursuivre le travail de qualité et hisser ainsi la Côte d'Ivoire au rang de premier pays en matière de qualité, en plus d'être le premier pays producteur.